Bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour. Lily. Dis bonjour. Elle veut pas. Elle veut te faire un câlin. Donc bonjour. Aujourd'hui on est lundi. Et les deux loulous ils vont à l'école. Voilà. Donc on y va. On vous dit à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bisous. Alors d'aller rechercher les enfants, je n'ai pas du tout vlogué ce matin parce que déjà j'ai fait mon ménage et compagnie, donc c'est pas spécialement intéressant. Je me suis lavé les cheveux parce que c'était pitoyable. Par contre j'ai été obligée de les tourner côté, entre guillemets, là de ce côté. Je sais pas, on verra. Faut que je trouve encore, je n'ai pas mes marques avec cette nouvelle coiffure. Voilà, donc je vais y aller. Par contre j'y vais en voiture. Je voulais y aller à pied mais non, je ne peux pas parce qu'il pleut. Coucou. Quel beau temps. Je suis complètement décoiffée. Il fait un temps de crotte, hein, les enfants. Il pleut. Qu'est-ce que tu étais en train de me dire, Lucas? Moi j'ai fait une petite aventure. On te voit pas. En fait je voulais aller aux toilettes et puis la maîtresse elle a dû venir et ça pressait, pressait, pressait. Donc quand je descendais je disais express ou pipi pour que tout le monde puisse passer. Express pipi. Expression, tu sais ce que c'est une expression? C'est un ensemble de mots. Pleurer comme une madeleine. Voilà, c'est une expression, c'est ça. Et toi Lily, ça va? Ça s'est bien passé ce matin? Enlève ta tutute. Je veux des couteaux pour les petits enfants et je veux des petites lacettes pour les enfants. Ouais. Petites. Oui. Et elle a fait un anniversaire aujourd'hui. J'ai pris des bonnes pour faire de la compote. Vous avez fait de la compote? Mais pour des faux. Non, il voulait. Non, il devait vraiment faire de la compote normalement. Parce qu'il y avait des pommes dans la cour de Lily, il y a un pommier. Des pommes. Fruits, ce sont des fruits. Oui. T'en manges souvent des pommes à la maison. D'accord. Dans mon école. T'as fait de la compote de pommes? Oui. Oui, ils ont fait de la compote de pommes. Et tu vas le refaire après, là, quand tu retournes ce midi, cet après-midi, ils vont le refaire, les autres? Non, ils vont faire dodo cet après-midi. Lily aussi, mais elle va faire dodo à la maison. C'est les pommes, la tutute. Couper les pommes. Tu as coupé les pommes, c'est tout, voilà. Et un paf, la compote c'est des pommes, un pas tout qui te fait. Tu l'auras demain. Un pas tout qui te fait, la compote c'est des pommes. Non, non, bah non, dans les pommes il n'y a que de la pomme et un peu de sucre, s'ils mettent du sucre c'est tout, et un peu de citron. J'ai déjà fait la pomme. Tu l'auras demain. Et moi aussi j'ai fait quelque chose. Oui. En fait, moi, ce matin, j'ai joué dans la cour, un jeu trop bien. C'était comme dans Driver, mais c'était sauf un... Et c'était un... Sauf que c'était... T'avais des voitures de police de course, et puis t'avais des voitures tout terrain de course, et puis moi, j'avais une voiture de police de course, que j'ai gagné la course. C'est bien, super. Okay. Et puis aussi, dans Driver, on peut faire des courses de voiture. Ouais, je sais. On va rentrer parce qu'il faut qu'on aille manger. Et papa, il a dit que peut-être qu'on pourra s'inscrire à la course. À la course, quelle course? Et des courses dans Driver. Ah, dans Driver. Oui, il pleut. Et il a le droit de parler, Lucas. Maman. Oui. Aussi, un client. La tutute. C'est une petite fille à côté. Il pleut donc on prend le parapluie. Et Lily, on va lui racheter un parapluie parce que son parapluie, il y a une baleine qui est cassée. Et oui. Bon allez, on rentre sur ce parce qu'on va jamais manger. Coucou, il est super tard. Enfin super tard. Je recommence le vlog, il est 7h20. Lucas est en train de finir de manger. Mais mademoiselle Lily ne veut pas manger. Je ne sais pas si elle fait la tête ou si elle est fatiguée, mais elle me réclame pour aller au dodo. Ah oui, mais voilà, Lily ça fonctionne pas comme ça. Lily elle ne veut pas manger sa soupe, mais elle veut manger autre chose. Donc non, ça fonctionne pas comme ça. On mange le repas que maman elle a fait. Voilà,
Donc du coup je vais coucher Lily et puis on se retrouve après. Là, attention au pied. Mais oui, mais Boris, non, on l'a lu hier. Alors, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? On va vous faire voir. Donc, aujourd'hui... Attends, je veux leur faire voir le livre. Je veux leur faire voir ce que c'est. Je veux juste leur faire voir ce que c'est. Alors, c'est Poulette Coquette. Voilà. De... Et Tilly et ses amis de Pali. Alors, attendez, j'arrive pas à lire. C'est quoi? C'est qui? Attends. C'est de Tally Dunbar. Voilà. Alors. Donc on vient de lire la petite histoire. Mademoiselle Lily va du coup aller. Eh ben on va relire l'histoire une fois et puis elle ira au dodo après. Hein? Et puis Lucas il va aller ranger la salle de jeu qui est en bazar monstre pendant ce temps-là. D'abord je reste avec vous pour regarder. Ok, et après. La salle de jeu, j'arrange. Ok. Et puis, et à côté, on y a un. Alors, Poulette Coquette. Hop là. Donc oui Lily, je sais pas ce qu'elle a fait ce soir, elle voulait pas manger. Elle est fatiguée. Déjà ce matin quand j'ai déposé à l'école, elle était pas bien. Elle m'a demandé un mouchoir pile quand on arrivait devant la maîtresse pour s'essuyer le nez. Oui. D'accord, et elle était pas. Elle est fatiguée. Elle veut congeler lapin. Qu'est-ce qu'on va lire maintenant? Un, deux, trois, lapin de Véronique Mazière. Voilà. Attends, tu veux compter? Parce que Lily, elle adore compter. Et elle compte bien en plus. Très, très bien. Oui. Alors. Tu fais avec moi? Bah oui. Combien il y a de points? Un, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! C'est bien! J'ai l'en oublié. C'est quoi ça? 1, 2, 3. C'est bien. Alors, 1. Ça, c'est le chiffre 1. Un lapin qui se réveille, le vent lui chatouille les oreilles. T'as vu? Il est tout seul. Il y a un lapin. 2. Tu vois 2. 1. 2 lapins qui glissent sur le toboggan zou en avant. Combien il y a de lapins? 1, 2, 3. Non. 1, 2, 4. Non. 1, 2. Super. 3 lapins qui s'amusent sur la balançoire. Ils se prennent pour des malabars. C'est quoi des malabars? Des forts. Deux. Le bleu sur tout, il est vraiment fort le bleu. 4. Tu vois comment on fait 4? 4 lapins qui croquent des radis. Crunch, crunch, bon appétit. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4. C'est bien. C'est bien. 5. 5 lapins qui caracolent. Boing, boing, boing. Il y en a 1, 2, 3, 5. Super. 6. 6 lapins qui grignotent des fleurs. Les pétales, mais pas le cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça tombe de plus en plus doucement. 7. 7 lapins qui rêvent au soleil. Oh, des coccinelles. Combien de lapins? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et combien il y a de coccinelles? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Oui, tu as deux tututes. Donc Lily, elle va aller au dodo. Attends, ma belle. Hop là. Ça s'est bien passé. Non, on a lu trois histoires là, Lily. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé ce matin avec la maîtresse. Non, ça s'est bien passé avec la maîtresse ce matin, Lily. Non, on a lu trois histoires, ça suffit. Bon, bah je vais y aller. Hein. Lily veut pas dire bonne nuit, elle veut pas. Eh ben, écoute-moi. Est-ce que ça s'est bien passé ce matin à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Tu nous racontes? Je ne vais pas voir qui. Ah mais si, on t'a déjà demandé, tu as fait de la compote de pommes. Oui. Eh oui. On verra. Tu nous diras demain si tu, si tu l'as mangé. Tu non. nous diras. C'est pas là, on m'a dit. On va faire de la compote aux pommes. Oui, mais tu peux peut-être que tu vas la manger. Bah. Tu peux la manger. Maman, elle en a, la maîtresse, elle m'a déjà demandé. C'est sans gluten, il n'y a pas de lait. Tu pourras la manger. Tu seras pas malade, d'accord? Hein. Ok? Hein. Voilà. Mais je tousse encore. Oui, tu tousses encore parce que le bobo que tu as eu, bah, ça t'a rendu malade et ça met du temps à partir. Oui. Et oui. Mais t'as plus mal au ventre. Mais quelqu'un a c'est mon bobo. Oui, ça, mais c'est pas pareil là. Mais ça fait encore très mal. Mais non, ça fait pas mal. Et un peu. Mais c'est pas grave, t'as deux petits bobos sur les genoux, mais on les voit pas là. Il faut enlever le pansement pour que ça cicatrise. En fait. Bah, pour que le bobo ait guérisse. Un autre est arrivé, mais un autre est arrêté. Et oui, il y en a un qui est parti, il y en a un qui est resté. Oui. Et oui. Et oui. Bon, sur ce, on vous dit bonne nuit. Oui, regardez. Sur ce genou, le pansement il est resté. Et sur l'autre genou, le pansement il est pas resté. Mais on va pas faire voir l'autre genou. T'aimes pas faire voir tes bobos? Oui. Bah oui, non. Non, on fait pas voir. Non, on garde les bobos pour nous. Voilà. Donc on vous dit à demain. On vous souhaite une bonne nuit. Et tout et tout. Et gros bisous. Et merci de nous suivre. Bonne nuit. Donc ce soir, Lucas, on va lire Le cycle de la vie de la chenille au papillon des éditions Gamma Jeunesse de Camille de la Bédoyère. Voilà. Alors. Ah, ça me tient chaud, c'est vrai, la couette, ça me tient chaud. On vient de finir de lire le livre en entier sur les papillons. Du coup, on va regarder les petits smileys. Oui. Alors, est-ce qu'on a eu des smileys déjà? Je crois, je ne sais plus si on a regardé la vidéo sur les livres. On a dû regarder, mais je sais pas si on avait regardé en entier. Et on l'a regardé. Oui, mais elle venait de sortir et je crois qu'il m'avait pas on beaucoup. Regardé. Tu te rappelles pas, on l'avait regardé tous les trois en entier. Oui, mais. En matin. Non, mais oui, non, mais tu l'as regardé en vidéo, mais t'as pas regardé les smileys. Ah non. C'est ça que je te dis. Il y a Anaïs, merci, regarde. Merci Anaïs. Voilà. D'ailleurs, c'est Anaïs qui nous a demandé de présenter les livres. Donc si j'y pense pas, le soir, à chaque fois qu'on lit un livre, tu penseras bien nous dire de quel auteur c'est, quel est le titre et faire voir la couverture. D'accord? Je sais pas de quel auteur ils sont, d'ailleurs. Bah ça dépend, il faut le lire en fait. Merci Suzanne qui a mis des smileys, t'as vu? Donc oui, Suzanne, on l'avait déjà vu. Oui, on le dit pas, pas toujours le titre. Je peux encore le gratter là, mon doudou. Hein. Merci Martine. Merci Martine. Et il n'y en a plus, donc on les avait regardés. Alors, sur le vlog où Lily se maquille toute seule, le vlog de vendredi, elle avait pris mes pinceaux en haut dans sur ma coiffeuse, mais il n'y avait pas de maquillage. Mais bon. Merci juste Lisa, regarde-moi tout ce qu'elle a mis. Pour Lily et moi un peu. Bah oui, mais il y en a pour tous les deux. Merci. Merci le monde de Lily. Oui. T'as vu, regarde. Elle en a mis pour elle et pour moi. Il y en a pour les deux. Merci Julie, un ami pour vous deux. Ouh là là, on a mis beaucoup. Il y en a aussi pour toi, il y a des vidéos. Regarde, c'est mon loulou qui a mis les smileys. Ça veut dire que c'est son fils. Merci. Je lui avais déjà répondu, mais je me souvenais plus si on l'avait regardé son celui-là. Son fils qui les a tapés. Qui les a mis, ouais. Merci Maëlle. Oh, merci Maëlle. Merci Naï. Merci Léa aussi. Merci tout le monde. Ouais. Merci Naya. Regarde, merci on a mis plein, t'as vu? Wow. Il y a la tour Eiffel et tout. Il y a une fusée. Ouais. Merci Cam023. Oh, ça c'est pour moi. Ah oui, ça c'est pour toi. Il y a plein de trains.
Merci Nino. Regarde Nino aussi, on a mis plein. Ouais, Nino, il en a mis plein aussi. Merci. Et on a remis là aussi. Ouais. Merci Jennifer. Merci. Merci tout le monde. Ouais, merci. Merci tout le monde. Alors, sur le vlog d'hier où papa m'avait coupé les cheveux. Catastrophe. Catastrophe. Sur le coup, c'était la catastrophe, mais bon, maintenant ça va mieux. Merci Julie. Regarde, elle en a mis plein. Ah oui. Elle a fini par un gyrophare de pompier ou de police. De police, je sais pas. Les pompiers, ils ont pas des gyrophares rouges, ils ont des gyrophares bleus. La police, elle, par contre, elle en a. Ah bah écoutez, la voix de la raison qui connaît tout. Voilà, donc Lucas a raison. Merci Suzanne, regarde, elle en a mis plein. Oh merci Suzanne. Merci le monde de Lilu. Merci le monde de Lilu. Merci tout le monde en fait. Ouais, merci tout le monde, mais on les regarde quand même. Ouais. Alors attends. Merci Lolo. Oh, elle en a mis pour toi, elle a mis des coccinelles. Elle a mis des coccinelles, oui, c'est gentil. Merci Mamlove. Merci Mamlove. Merci Mink. Merci Mink. Merci Géraldine. Merci Géraldine. Merci Géraldine. Merci Mathilde. Et voilà, j'ai pas répondu après encore à tout le monde. Et sur le vlog d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait hier? Tu te rappelles, c'était l'anniversaire de mariage de papa et maman? Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des petits commentaires? Merci Julie qui a mis un petit pouce en l'air pour papa. Merci Célia. Merci Julie qui en a remis encore. Merci Suzanne, merci Jennifer. Oui. Voilà, ben merci. Je pense que c'est la première fois qu'il en a. Non, il en a déjà eu, mais bon. Donc, sur ce, on vous dit à. Demain. Demain, t'es fatiguée? Non. Non, bon. Je cherchais le mot. Ah, tu cherchais le mot. Je sais que c'était pour dire. Bonne nuit et demain. Oui. D'accord, t'es fatiguée. Bon, on va le laisser tranquille. Et du coup, on vous dit à demain. Merci de nous suivre. Oui, n'hésitez merci. Pas à mettre des petits commentaires avec des smileys, Lucas il adore. Et vous pouvez vous abonner encore plus si vous voulez. Voilà. Comme ça, on dépassera les 100 millions. Oh, les 100 millions ? Si déjà maman arrive un jour à dépasser les 100 000, je ne sais pas ce que je fais. Donc la caméra s'était coupée. Donc oui, si un jour j'arrive à atteindre les 100 000, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Mais ça serait top. Je pense que j'y arriverai pas. Décidément, hein, on est bien d'accord, dans quelques années largement. Si j'ai la chance d'y arriver. Peut-être. Le jour de Noël, peut-être que tu seras à ce moment-là. Oh, non, c'est pas possible, Lucas. Noël, c'est dans très très longtemps. C'est dans très longtemps, mais c'est quand même relativement. Dans peu de temps. Après Noël, alors. Oui, après Noël, ça c'est sûr. Le Noël prochain. Non, le Noël prochain, non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Si j'arrive à 5000 abonnés déjà pour Noël, ça serait déjà bien. Vraiment. Enfin bref, on va laisser Lucas faire dodo. On vous dit à demain. Gros bisous. Et bonne nuit. Bonne nuit.